全てのユミルの民に継ぐ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず、全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人は、この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命を、この世から駆逐するまで。Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires. Action! Ok, merci. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées... Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. J'ai regardé le premier film quand j'avais 3-4 ans. Donc... Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Bon bah, suivez les papillons, hein, let's go. Les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Ok. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. Lumos. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardze aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Hop, oh la vache. J'ai one shot. L'image noire. Qu'est-ce qu'ils foutent les papillons? Lumos. Hop, Lumos. Une dernière, on veut pas y aller, on l'a déjà fait. Tiens, oh. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est bien les papillons. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Mais oui, mais oui. Bonjour, Miss Willardze. Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. C'est merveilleux. Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Oh, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Ah, ça reste la forêt interdite quand même. Il y a des monstres, etc. Ah, jardinière. Oh, ma chérie qui passe niveau 97. Elle est proche d'impératrice.
Hop. Sur Sharp. Vous avancez sur vos devoirs? La pression maximum qui est en train de se faire pendant que je parle à Sharp. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Repulso. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Hop, parfait. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien. Repulso. Évitez donc de projeter vos camarades contre les murs dans les couloirs. Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Repulso ! Bon travail. Je suis heureux de voir la détermination de cette preuve pour me. Leviosa ! Expelliarmus ! Incendio ! Sur ce que vous êtes en écoute. Qui sera le premier à tomber de son dame ? Revelio ! Tu peux pas ici ? Absolument pas. Et ce n'est pas mieux. Par contre, je venais, je l'avais pas celle-là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Attrapez tous un balai ! Que l'on puisse commencer. Madame Kogawa. Ouh ! Techniquement, ce sont les Japonais qui sont les maîtres du Quidditch. Monsieur Clapton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Voilà. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Aïe, aïe. Merci. Bien. C'est à vous. Debout, 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 saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Là, c'est parti. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Ok, chef. Et vous voyez, j'avais raison. Les Japonais sont forts en armature. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Je crois que je commence à comprendre. Oh là 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 là. Mon propre balai. On achètera un balai, t'inquiète pas. Trop stylé. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Que? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Oh, let's go. Bonjour. Belle journée pour voler. Ok, comme ça. Il y a un boost. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Oh, test de vol. Ah, il y a deux. Des touches comme ça. Oh là 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 là, c'est stylé. Le hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Ouais, c'est ça le truc. Le pédagogue aussi. Oh là 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 là. Le rêve de gosse devient réalité. Jonathan est un vrai sorcier. Oh là 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 là. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Le Klaken. Ah,
C'est stylé, ma chérie. Tac. Hop. C'est plutôt amusant. Olé. Parfait. Elle veut faire une course, je le sens. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. Ça a l'air cool, ouais. On s'est croisés dans la salle commune. Je suis Everett Clopton. Alors, tu veux venir t'amuser avec moi en altitude ? Franchement, ouais, c'est super cool. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. J'espère aussi. Oh là 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 là. On t'aura tapé, Everett. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Ouh, attends, où ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf-Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu rébellion. Comment fait Everett pour voler aussi vite ? S'il a un balai personnalisé. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Oh la vache. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe ? La vache. Trop bien. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Hop, le coup de boost. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. Et on retourne à terre. Hop. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Hop. Descends ici. Là-bas, c'était kiffant. Alors, où étiez-vous, tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Oh, pas merci, c'est gentil. On s'est engueulé, mais un peu félicité. C'est super. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Aïe aïe aïe. Si j'avais les moyens de m'offrir le nouvel escarbille de chez Beauballet, je n'utiliserais pas ce vieux coucou. Petite aventure à la bibliothèque. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Super, Sébastien, super. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions Pipin. Si vous souhaitez empocher quelques pièces. Oh. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible.
Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Madame Kogawa, à propos de ce qu'il s'est passé... Le sujet est clos. Les points que vous avez coûtés à Serre d'Aigle devraient suffire à vous dissuader de vous livrer à de telles frasques. Le professeur Weasley m'a demandé de vous enseigner quelques sortilèges supplémentaires. Je vous enverrai bientôt un hibou. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions quand vous le souhaitez. Ah, puisqu'il veut le fait de vous donner des points en moins. Oh ! J'ai une quête secondaire ! Ah, une nouvelle tête ! Fantastique ! Albi Weeks. Bonjour, monsieur Weeks, c'est ça ? Albi Weeks, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? Oui. J'ai quelques rares tresdifs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Un Imbus 2000, je veux. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresdifs sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette d'if. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Oh, ça vaut, j'ai une balai braise-filante, balai pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Balai de la maison Poudlard. Balai enchanté, un test de votre fierté d'appartenir à l'une des maisons de Poudlard. Balai lunaire. Balai brise légère. Balai tisseur d'if. Cet article est d'excellente qualité. Oh, il est beau celui-là, il est beau. Ma chérie, je dois choisir. Alors celui-là non. Alors en fait, je vais choisir, mais je te montre. Allez, alors il y a... Cet article. Balai braise filante. La suite de la maison Poudlard. Balai lunaire. Balai brise légère. Cet article. Et tisseur d'if. Ouais, je pense qu'on va tous partir sur le... Ah, je vais choisir, mais je pense que je vais partir sur celle-là. Hein. Beaucoup de monde. Le premier en vrai. Ah bah ouais. Hein. De toute façon, je les achèterai tous quand j'aurai de la thune. Mais ils sont pas fameux en vrai. En vrai, ils ont un style. Bon, ça c'est le style sorcier, etc. Mais bon, celui-là, il est stylé. Vas-y, j'achète. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Oh, celui-là, j'achète, ah ouais. Merci de votre visite. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa. Tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, oh. J'écoute. Ah, je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Oh,
Certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beauballet. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chudley ou le club de Flakmar. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrai continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. Bon, je pense que c'est le cas. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. Oh. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Étendez vous voyez dans les airs de Prélard et dans certaines zones. Cherchez l'icône Volatardi près de la mini-carte. Ok. Voilà. Salut, Sœur d'Aigle. Oh, une serpentard. Ouais. Imelda Reyes, Albi Wix m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Jalouse. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serre d'Aigle. Tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits? Tu essaies de gagner du temps, cinquième année? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a trois parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ses parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Ok, bon, vas-y. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de te voir perdre. T'as pas l'ambiance, hein? Ok. Let's go, mon kiki. J'adore cette sensation. Hop. Hop, parfait. Let's go, mon kiki. Ça peut dire contrôler au début? Bah, la tête. Pas contrôler au début. Et c'est fait. Hop. C'est plutôt amusant. Let's go. Hop. Parti mon kiki. Enchaîne. Hop. Enchaîne. Voilà.
Hop. J'y suis arrivé. Hop, on descend. Voilà. Fantastique. Hop, allez, 2020, on est bon. Hop, on est bien, on est bien. Hop, allez, go. Ça me rappelle les anciens jeux avec les anneaux. C'est peut-être une petite ref. Hop. Voilà. Allez, go. Et bah parfait. J'ai pulvérisé ce record. Ah vache. Ah, j'ai détruit là. On va faire ça jalouse. C'est... T'as dû tricher. D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Passe au podium pour défier notre athlète. Monter dans le classement. Oh. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Y'en a un Ruby Wheel qui m'a dépassé. C'est des noms de c'est des noms de personnages quand même. Ah, vous voilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent, et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer des balais? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balais de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi. Où en serions-nous sans mes améliorations? Je veux dire, si Elliot Smevik s'était laissé décourager par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité? Wanted to make yourself more useful. You could try wearing something a little more fun and festive, or pretend to be a ghost to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just... Yoimiya, they've already run off. Huh?